born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. Suffering will be legendary, even in hell. Even in hell. Merci Pinhead. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Hein, c'est un stream mixte, à ce que j'ai cru comprendre. Partie 3 de l'excellent, enfin de l'excellent, on va voir ça, hein, parce qu'il m'a l'air aussi un petit peu brouillon de temps en temps, mais du remarquable quand même, notable Rule of Rose. Que je continue avec grand plaisir. Bonsoir Nick Taras, bonsoir Samus Aran. Nous en étions où nous avions trouvé
Le... Hop. Hop, j'étais là pour packer la musique du jeu. C'est un petite astuce que je vous donne. Vous mettez sur pause et comme ça les gens entendent que la musique en attendant le... Ah, juste avant de streamer. Petite astuce comme ça. Nous avions récupéré le papillon bleu. Et nous devions le donner aux enfants pour qu'ils nous acceptent. Enfin, c'est cadeau du mois. Donc nous nous y rendons tout de suite. J'ai éclairé le jeu. Normalement, la luminosité est un petit peu mieux. Le son de mon micro doit être un tout petit peu plus fort. J'ai remarqué que sur la dernière VOD, malheureusement, on m'entendait pas assez. J'ai eu des milliers de retours, hein, sur Twitter, sur, enfin partout. C'est pour ça que j'ai pas pu streamer hier. Il a fallu que je réponde à tout le monde. Et ça m'a pris des heures de copier-coller, quoi, ainsi dire. Donc là, on se souvient complètement de l'aéronef, hein. On sait déjà où tout se trouve. N'hésitez pas à me dire, hein, sur le chat, alors même si ça va me prendre des heures pour vous répondre, si le son est trop fort maintenant. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça se passe. La voix est pas assez forte, puis la VOD d'après, bah, c'est tout l'inverse. C'est le son du jeu qui est plus assez fort. Donc là, nous nous dirigeons d'un pas mécanique mais régulier, vous le savez, à l'étage, au Cloverfield. Ouais, ça y est, je me souviens du nom. Au Cloverfield, et nous allons remettre le papillon bleu, vu que c'est ça qui est souhaité, qui est demandé par ces sales gosses. On va la mettre dans la boîte à cadeaux. On va le mettre. Vous avez vu, là, je me suis pas trompé, hein, de chemin. Hein. Je commence à le connaître. Merde, et ben je dis ça, et ben c'est pas là. C'est quand même fou cette histoire. Je me suis encore trompé. Hein. Je me suis encore trompé de chemin. C'est pas magnifique? Pourtant, c'est quand même pas dur. Salut Léa. Bonsoir Léa. Allez, hop. Alors maintenant, oui, il y a eu des petites modifications. Maintenant, le chien tire à droite. Comme ça. Je vous expliquerai pourquoi s'il y a vraiment une forte demande. Donc, c'était dans l'autre sens qu'il fallait qu'on aille. Ça commence bien. Ça commence bien. Pourtant, j'étais persuadé. En fait, là, c'est là où on save. Je commence à comprendre la carte un petit peu, hein. Ah, il fallait qu'on aille au secteur. Oh mon Dieu. C'est pas malheureux. Moi qui avais tout bien préparé. J'avais tout bien préparé. J'avais tout bien préparé, puis on se trompe déjà dès le départ. Non, faut pas qu'on aille au Cloverfield. Il faut qu'on aille. Cloverfield, c'est là où il y a les clés, en fait. Voilà. Non, faut qu'on aille dans l'autre sens. C'est simple, c'est un étage qui nous était complètement fermé et pour cause, nous ne pouvions pas passer tant que nous n'avions pas filé le cadeau. Non, ça c'est pas cette porte-là. Ah si, on peut aussi y accéder par là? Salle des pièces détachées, non. Non, non, nous sommes allés, mais c'est pas ça. Oui, donc j'ai fait quelques modifications, j'ai rehaussé la luminosité et j'ai baissé le son du jeu, bien sûr, et j'ai enlevé le grain, le foutu grain. Alors peut-être que c'est sympathique sur Silent Hill, mais sur celui-ci j'avais pas envie. Voilà. Là je trouve ça bien plus propre. Alors peut-être qu'il y aura les puristes vont m'envoyer des messages d'insultes en me disant que j'ai viré le grain. Mais on va essayer de gérer ça. Oui, en fait on a déjà perdu 5 minutes. Et puis je me fais avoir en plus, parce que j'étais en train de regarder le chat. Ne jamais regarder le chat, Romain, tu le sais en plus. Alors lui, il a une tête de souris. Il a une tête de rat, lui. Oui, c'est bien ça. Allez. Bah, c'est fermé. Attendez. Ah, c'est par là, voilà. Ça y est, ça me revient, ça me revient. Bah, ça fait quand même 48 heures. Hein. Voilà, c'est bon. Allez, viens. Viens, mon bon Bron. Bon, ce qui est bien, c'est que quand on s'absente comme ça pour des raisons suspectes, pendant 48 heures, les gens ont eu le temps de regarder la VOD. Il y a eu beaucoup de vues de la VOD, donc tout le monde est à jour. Quelque part, ça m'arrange, ça vous arrange. On est en phase. Voilà, cinématique.
La grosse nous a devancés, hein. Elle a déjà remis son cadeau. On va faire de même. Ah bah, eh oh. Petite coquine. Nous aussi, on peut passer, hein. Alors, vous remarquerez que je me suis occupé du les coups de patate. Enfin, du machin. Du. Hein? Vous avez remarqué? J'ai changé d'arme. Voilà. Ça va être plus simple. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, à la place de la fourchette, ça serait peut-être pas plus malin de mettre les pluches patates. Allez. Papillon bleu. Papillon de lumière. Utilisé. Il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le bon? Non, attendez. C'est bien le papillon bleu, là? Ah, mais non! Il faut checker la boîte. C'est la deuxième fois que je me fais avoir. Ouvrir la boîte, voilà. Bah oui, mais moi je suis en mode Silent Hill, mode Resident Evil. Mais non, je vais marquer ouvrir la porte. Mais qu'est-ce que j'ai ce soir? Faire une offrande, évidemment. Allez, on se trompe pas. Papillon bleu, papillon de lumière. J'étais tellement excité à faire ma petite blague sur le papillon de lumière que... j'en oublie les commandes principales. Alors, I don't know. Les amoureux torts. Why not? What? It's her first time. Yeah, she's new. So, pass. Et on peut rentrer. Alors, on n'a pas besoin de passer pour le côté, en fait. Tout bête. Et dis donc, le coup de botte dans le dos. Dis donc, on va pas être copains là, si ça commence comme ça. Ok, donc. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. Thank you all for gathering here today. Il collectionne, oui. Donc c'est elle la chef, là. À qui on doit poter le cul? You're a disgrace. Bah merci bien. Nothing worse than nothing. Your gift is worth nothing. Bah, je donne un papillon comme les autres. Ni plus ni moins. Amanda. Amanda. Qu'est-ce qu'ils veulent lui faire faire? Elle doit me mettre ça dans les fesses? Il y a un rat au bout. Il y a un rat au bout de la perche. Mais Jennifer, te laisse pas faire comme un merde. C'est spécial quand même. Hein. Oui, c'est... Elle pourrait réagir un petit peu, quoi. Elle pourrait quand même un petit peu être moins passive. Dis donc, moi si on me mettait un rat sur la tête, là, comme ça, de but en blanc, là, pas sûr que je réagirais comme elle, hein. J'en suis même convaincu. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il va falloir se battre un petit peu, là? Non, même pas, elle est en train de chouiner. Quand la fille malchanceuse se réveilla, mais c'est plus que malchanceuse, elle se retrouva dans l'étrange pièce. Le garçon habillé en blanc la regarda avec des yeux
compréhensif et lui parla. Je vais te lire, Nick Taras, je finis. Alors, tu te souviens maintenant que tu n'étais vraiment pas sage? Tu n'as pas encore recouvré la mémoire? Tu as fait beaucoup, beaucoup de bêtises. Il faudra que tu t'en souviennes, petit à petit. Et quand tu te souviendras totalement que tu n'as pas été sage, ce jeu prendra fin. Maintenant, emmène ton stupide chien et contenis notre petit jeu, ma chère Jennifer. Oui, c'est celui qu'on adore, lui, c'est Thomas. C'est celui qui a un rire démoniaque. D'accord, je pense qu'on a fini le premier chapitre. Sir Peter. On a fini le premier chapitre. La Jennifer, elle chiale même quand elle demande à son chien de rester, oui. Oui? Non, mais il faut comprendre qu'elle a perdu la mémoire. Hein, et qu'en fait, c'est comme si elle était une petite fille. Là, on la voit adulte, mais en fait, elle est restée comme si elle avait l'âge des enfants, quoi. Je trouve que c'est un souvenir, je ne sais pas, hein, je connais pas l'histoire. Parce qu'elle réagit pas du tout comme une adulte, là, on l'a bien compris. Bon, je suis pas fou, il y avait quelque chose à ramasser, hein. J'ai vu quelque chose qui brillait. Voilà, c'est quoi ça? La note, là. Jennifer a trouvé lettres fleuries. Ah bah, les lettres peuvent être fleuries? C'est nouveau, ça. On m'a pas prévenu, moi. Si on me dit rien... Regardez, il y a la gamine derrière la porte. Qu'est-ce qu'elle va encore me faire comme misère pendant que je suis en train de lire? Oui, le langage fleuri, je connaissais. Mais alors, la lettre fleurie, beaucoup moins. Je suis désolé, Jennifer. Retrouve-moi où tu peux voir le ciel. Bon, j'imagine que ça doit être sur le toit. Ton amie Amanda. Ah bah non, mais moi j'ai aucune confiance en toi, ma grosse. T'es désolé, mais je t'ai vu sourire, hein? On l'a tous vu sourire. Qu'est-ce qu'elle nous dit qu'elle est désolée? Elle est absolument pas désolée. Je n'y crois pas une seule seconde. Parler avec des fleurs, voilà. J'ai pas confiance en toi, Amanda. Quitte à te décevoir, nous deux. Et ils m'ont volé mon épluche patate? Alors ça va pas le faire. Non, il est là. C'est bon. Ne jamais faire confiance à une grosse. C'est toujours la première à te piquer ton goûter. Je ne répondrai pas. Je te laisse. Tu es maître de tes propos. Mais je suis assez d'accord. Bon, on est équipé avec ça. On a trouvé une lettre. Bon, on pourrait peut-être la faire ressentir à Brown. Hein? Moi, j'adore cette idée de gameplay. Allez. Trouve-nous, Brown, où est Amanda. C'est pour ça que je suis maigre. Mais j'ai remarqué que c'était pas la première fois que tu nous dis que t'es maigre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci? Il y a un complexe? Avec Brown, on part dans ce sens-là. Bah oui, c'est là où il y a les aristocrates. Allez, Brown, trouve-nous. J'ai eu trop de potes gros. Ah voilà. Bah moi j'ai eu trop de potes grands. En même temps c'est simple. Hein. Pour moi tout le monde est trop grand. Qu'est-ce qu'ils font là les gamins? C'est l'heure d'aller se coucher là. Hein. Oh. C'est pas un complexe, c'est une excuse. Je crois que ça me permet d'insulter les autres minorités. Voilà. Mais tu te considères... en tant que maigre, tu te considères comme minorité? La fille essaya de parler au prince négligé, mais il ne voulut pas répondre. Bon. Il me snob, quoi. Et le petit lardon? La fille tenta d'attirer son attention, mais le prince glouton l'ignora. Le prince glouton, c'est sympa aussi. Allez, on passe. Une maigrorité. Oui. Je comprends. J'espère qu'il y a des assos qui vont pouvoir t'orienter. Hein? Je suis persuadé que tu trouveras un numéro vert. Le gouvernement a dû faire ça. Tu vas être orienté. T'inquiète pas, on va te rappeler. Dans les prochains jours, j'en suis certain. Il y a forcément un impôt, une taxe pour ça. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ici, là? On m'a pas prévenu. Qu'est-ce que c'est? Addition et soustraction. Elle m'a dit déjà des méchancetés, hein. C'est la plus petite, mais c'est peut-être la plus vilaine. Alors que la princesse Pleurnichard était confrontée à une équation au tableau, elle dit
Monsieur Hoffman fait vraiment peur quand il est en colère. Sanglots. Bon, je me souviens pas de cette pièce, moi. Bon, bah, ne pleure pas. Avec leur combat de ballet, on se croirait dans Kaamelott. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne connais pas Kaamelott. Je ne regarde pas M6. La maigritude, pardon. La force maigre. Evan pas. Evan pour les cultiver, 2 points. Bon, je te laisse l'écrire pendant que je passe la porte. On arrive au secteur 6. Et comment ça se fait qu'on peut passer maintenant? Hé, hey Amanda! Attends-nous. Oh. Monsieur Hoffman, c'est le prof de maths? Les comptes d'Hoffman. Ouais. Je vois. Mais de là à ce que ça me fasse rire, voilà, il y a un monde. J'ai appuyé sur le bouton. Attention, l'alimentation de secours sera activée en cas de panne. Bon bah ça va, alors ça veut dire que ça marchera toujours. Pour rétablir l'énergie après une panne, redémarrez le générateur dans le secteur 11. Putain, vous vous en souviendrez, hein. Je vous fais confiance, vous faites une petite capture d'écran, regardez mon doigt. C'est juste ici. Hein? Non, pas du tout. Ça c'est actual location. Ok, c'est où on est. Non, il faudra aller derrière le chat. J'avais le truc, mais j'ai pas su broder autour, bah oui. J'avais bien compris. Bon, c'est l'heure de la mouche. On va quoi? Basse, moyenne. Bah on va supérieure, parce qu'elle nous a donné rendez-vous en hauteur. Et puis de toute façon, on l'a vu monter, on n'est pas fou. Electric room. Alors là, c'était le moyen, j'imagine. Mais nous, elle nous a dit au ciel, hein c'est ça. Hein. Donc on va tout en haut. J'espère qu'elle va pas nous pousser, hein, je la connais. Allez, on monte. De toute façon, on n'a pas mis le choix. Hein. Mais c'est curieux qu'on ait pas retrouvé la pièce avec le... Enfin, je comprends pas qu'on soit arrivé là, en fait. Je verrai ça sur la... Je tirerai ça au clair sur la VOD. C'était une nuit noire sans une étoile. En faisant attention, vous pouvez voir quelqu'un se déplacer dans l'obscurité. Je suis désolé, Jennifer, tellement désolé. Je ne voulais pas te faire ça. Non, je crois pas une seconde. C'est de l'acting. Ouais, voilà, tu roules. Elle est malsaine. Elle est... Oh, pousse là. J'avais tellement peur. Oui. On va lui en parler. Assurément. Oui, c'est vrai qu'ils ont des... Au moins, on les retient bien. Hein. C'est ça que j'aime bien que le chara-design, là. C'est qu'on peut pas les oublier. La grosse. Ah bon, on est redescendu. Donc on est monté que pour faire un petit câlin. Bon, Brown, elle est où maintenant, Amanda? Parce que je lui fais renifler un objet d'Amanda, donc... Enfin, la lettre. Donc, pourquoi il regardait par là? Attendez. Elle est où, Amanda? Qu'est-ce qu'il y a ici? Attendez, il y a un extincteur, je regarde quelque chose. Non, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. J'ai envie de remonter, hein. Vous êtes d'accord? Vous êtes curieux aussi de savoir ce qu'il y a quand il n'y a pas la cinématique.
Il y a forcément un objet, un biscuit, une saloperie. Ah bah non. Le vent hurle dehors. Il souffle trop pour que... On saura jamais. Ah d'accord. Allez. Bah du coup j'ai envie de faire moyen, hein. Qui peut faire le plus peut faire le moins. Ça c'est une petite blague, c'est une petite blague à moi ça. Bon elle est là. Allez Brown. Bon déjà on peut sauvegarder donc c'est bon signe. Je veux pas d'indice. J'en suis pas encore là. Maintenant, alors, la première énigme, c'était de donner un cadeau. Et maintenant, c'est de retrouver... On a parlé avec notre amie Amanda. Et maintenant, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment on a réussi à revenir ici. Avant, c'était bloqué, la porte était fermée. Où on va, là? On peut pas y aller. Je regarde où je suis sur la carte. Normalement, on est tout à droite. Ah oui, pas du tout. Comment je fais pour dézoomer? C'est là. Ah non, c'est complètement déjà dézoomé. Où on se trouve? Ah oui, parce qu'on est à l'étage. Ah oui, d'accord. Oh mon dieu, mais ce jeu... Je ne dirai rien pour le moment. Je tente un petit coup à droite. Enfin, sur ma droite. Cassé. Et là, un petit peu derrière, bah c'est cassé. Bon, bah c'est cassé partout. À quoi bon d'avoir construit tout ça si c'est cassé? Tout est cassé. Bon. Tu as fait des petites fiches sur toutes les princesses, la pornicheuse, l'effronterie, l'obséquieuse. Non, j'essaie de les retenir de mémoire. Mais c'est pas simple. Hein? Pour essayer de... Je vais pas vous mentir. J'ai déjà du mal avec Thomas et Nicolas, alors pour me souvenir de toutes... Bon bah on met basse, on retourne là où on était. Non faut qu'on retourne à la porte qu'on a ouverte. Mais en même temps j'ai l'impression que c'était juste leur base. Là où il y a la cinématique avec avec Amanda avec le rat. C'était uniquement Où tu vas Bran? Ah tu me dis de repartir par là. De toute façon j'ai envie d'en avoir le cœur net hein. Je comprends pas qu'on ait pu arriver là alors que avant je tournais en rond, je suis jamais arrivé au secteur 7. Avant c'était fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là il y a forcément quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Non? Alors je vais pas le faire hein, parce qu'on va perdre du temps. Mais je suis sûr que si je demande à Bran avec de chercher un biscuit, il va m'en trouver un là. Là c'est fermé hein. Pas simple, la petite caméra. Bon, continue. Voilà, alors, avant, ça voudrait dire que moi, j'étais jamais... Qu'est-ce que c'est que ça? On peut monter par ici? Et on peut redescendre par là? Pas du tout. Je verrai ça sur la VOD, hein, mais comment j'ai fait pour... Et là, on descend au moteur 3. Ah, mais qui se trouve dans une petite nacelle avec une hélice. Ça se trouve, j'ai trouvé un truc, là, qu'on aurait mis 1000 ans à trouver. C'est pour s'échapper à la fin du jeu, ça? Hein? Ça y ressemble, hein. C'est comme dans Resident Evil, c'est le dernier truc, hein. C'est là où on s'échappe. Oh oui. Oh c'est sûr, mais là Bran il vient pas avec moi, qu'est-ce qu'il a... Ah bah parce qu'il peut pas monter les échelles le pauvre. Je suis bête. Bran il peut pas monter les échelles. T'as un chien. Voilà, il m'attendait sagement. J'étais pas parti longtemps mon Bran. Et voilà. C'est moi qui l'ai fait. La petite animation c'est moi qui l'ai faite. Remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait.
Donc ça voulait dire qu'on n'avait jamais tenté d'ouvrir cette porte, c'est quand même. J'allais dire c'est curieux, mais. Ça vous a fait rire, c'est le principal. C'est le principal. Mais non, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai fait. La mouche, c'est moi qui l'ai fait. J'appelle ça le paradis noir. J'ai fait découvrir à ma femme. Elle a beaucoup aimé. Remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. J'appelle ça le paradis noir. Mais merde, du coup, je sais plus. Non, mais on est bien d'accord, regardez, il y a le poster. Attendez, là, on arrête les conneries un peu. Ah, mais non! Le poster m'indique d'aller par là. Voilà. Voilà, là, on retourne à la truc. Non, 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 c'est une publicité. C'est une vieille publicité. Mais oui, elle jouait aussi dans Palace. Comment elle s'appelle? Oh, mince. Celle qui joue dans Les Visiteurs. Enfin, elle a fait plein de films, mais. Alors c'est toujours pareil. Quand je suis en stream, j'oublie le nom des acteurs, j'oublie le nom des films. C'est la peur. C'est le trac. C'est la peur, c'est le trac. C'est Jean Reno, voilà. Elle s'appelle Jean Reno. T'es con. Eh bon, on peut l'ouvrir la porte là. On a mis le cadeau. Ah oh bah c'est fermé, il faut mettre un cadeau, c'est tout. On a le droit de se. Alors c'est ça cette embrouille. On met un cadeau, on se fait latter, hein, c'est ça. Ah, on s'est fait latter. On se fait latter avec un rat. Et après on a le droit le mois d'après de refaire la même chose. N'importe quoi, n'importe quoi, moi je fais plus. Je filerai plus jamais de cadeau. Ah, il me dit qu'elle est par là maintenant? C'est encore une VOD qui s'annonce bien. Ça fait 32 minutes qu'on joue. Hein. On a vu deux cinématiques. Allez, viens, mon bon. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, elle? La princesse impétueuse. Tiens, celle-là, tu peux la rajouter. Ça fera tout en se plaignant. Peter sent le caca. Il sent tellement mauvais, je ne veux plus le toucher. Tu sens mauvais, va-t'en. Bah, d'accord. Dis donc, tu veux que je t'épluche un petit peu la tête? Alors. Apparemment, tu fais partager la belle culture française à travers le monde, Romain Martin. Mais évidemment. C'est une mission dont je me sens investi. Peter sent le caca, ce qui est normal, somme toute. Ouh là là, mais dis donc, ça y est, hein. Je t'ai manqué, hein. T'es en forme, là. Et alors, et regardez, il nous dit d'aller là. Ah bah putain, il aurait jamais gratté là. Si jamais le chien avait gratté là, jamais j'aurais su qu'on pouvait rentrer au bagage troisième classe ici. Comment vous vouliez-vous voir la porte? C'est impossible. Heureusement que j'ai mis un objet à Damanda. C'est moi qui ai trouvé tout seul. C'est moi qui ai trouvé tout seul. Remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai trouvé tout seul. Alors. Allez, on parle à Amanda. Calme-toi, Bran. Bon, je l'ai vu, Amanda. Ah, qu'est-ce que tu as pour moi, juste pour moi? Il est presque prêt. Il te suffit d'attendre encore un peu. Ouais, d'accord, bah écoute. Bon, je traduis pas les rires. Elle est en train de me coudre un slip. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre? Il y a forcément quelque chose à prendre, là. J'adore la tronche. Attends, 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 elle me parle. Ah, elle veut pas que je touche. Bon. J'adore la tronche de Goéland de Le Mercier. Voilà, voilà, Valérie Le Mercier. Avec sa bouche sans dents, là, son vieux bec. Non, mais elle joue très très bien. Elle joue très très bien. Et je sais plus pourquoi, à un moment donné, à force de voir les VOD, quand je dis c'est moi qui l'ai fait, je me suis dit, tiens, ça vient de quelque part, ce truc-là. Et puis, en fait, ça venait de cette publicité. J'appelle ça le paradis noir. Bon bah écoute, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Ah, il y a quelque chose ici. Mais on a le droit de rien, on n'a rien touché, dis donc. Et là, il y a quelque chose aussi. Ça serait pas la clé numéro 2? Jennifer a trouvé. Ah non, c'est une sucette.
Mais ça nous sert à quoi la sucette? C'est juste pour se requinquer. Une petite sucette qui est toujours agréable. Elle rétablit beaucoup de santé. Bon, très bien. Bon, on peut faire peut-être sentir la... on l'a déjà fait de sentir la lettre. Ben oui, on a trouvé Amanda. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un... Ah oui, j'ai trouvé un ruban hors ligne. Je l'ai trouvé le ruban en faisant sentir la clé à Brand. Mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup maintenant? On retourne l'endroit qu'on a ouvert là et puis on zone. C'est ça, hein, maintenant qu'on a accès au secteur 7, on est censé aller zoner là-bas. Ah, quelqu'un m'a envoyé un petit bout de papier. Bon, ça va, ça aurait pu être une pierre. On peut le ramasser. Je vais le faire sentir au chien, évidemment. Amanda and Jennifer report to the gift box at once. Tout n'a pas été traduit. Nerveusement, la princesse mesquine haussa des épaules et dit. C'est dommage, mais le cadeau devra attendre. Pour l'instant, souhaitons-nous bonne chance, Jennifer. Elle est, c'est comme les personnages... oui, j'aurais dû interpréter. J'aurais dû, mais je l'ai pas fait. J'aurais dû. Ah, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup, elle est partie. On peut peut-être prendre les choses. Évidemment. Des outils de couture se trouvent à l'intérieur. D'accord, très bien. On peut pas les prendre? On peut prendre ça quand même. Allez, tu vois, on peut voler quand même quelque chose. Un petit journal avec une couverture au motif fleuri. Mais décidément, tout est fleuri. Se trouve dans une vitrine. Ah mais non, me dis pas que le coup de la vitrine. Non, on la pète. Mais la vitrine est fermée à clé. Oh là 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 là. Ah mais non, là t'as un couteau, tu mets un petit coup là, puis ça y est. On est pareil là. J'ai la ref, Léa. Vas-y, dis-nous, Nictaras. Ah, le interprète? Je sais pas, hein, j'essaie de comprendre. C'est très difficile quand on lit à froid. Mais la vitrine est fermée à clé. Bah oui, il nous faut une clé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, non, on va les zoner, c'est ce que je... C'est comme les autres VOD. Il faut que je fasse impérativement le contraire de ce que je pense être la solution. Vous le savez. Regardez, le chien va par là, on va dans l'autre sens. En fait, j'avais jamais vu cette porte, hein, c'est quand même dramatique. Les vrais sages, désolé pour toi, R. Martin. Encore Camelot. Mais Camelot, moi je n'ai pas M6. Je n'ai pas la télé. Je ne connais pas Camelot. Je plaisante, je connais un petit peu, évidemment. Un petit peu, hein. Et là, du coup, on se retrouve au bord du précipice. Et qui n'en est pas un, vu qu'il y a une échelle. Alors, j'ai vraiment cliqué par Camelot toujours. Je te conseille vraiment cette série. Non, j'aime pas du tout, moi. Très bien écrit, très bien joué. Oh là, bien sûr. Avec du vrai bon texte français, il y a moyen de te régaler. En plus, le format idéal pour bouffer, ça te... Oh là, non. Ça me fout le cafard, Camelot. Vous pouvez pas savoir. Ça me rappelle, je sais pas. J'ai dû regarder ça une mauvaise période de ma vie. C'était le dimanche soir. Quelle horreur. Avec le générique. Il y a autant de génériques que de... Je vais me faire plein de... Je vais pas me faire des amis, hein, parce que je sais que tout le monde adore. Je trouve que c'est super mal joué. C'est bien écrit, par contre, ça c'est vrai. Très bien écrit, les blagues sont drôles. Parfois il y a des bons comédiens. Mais le trois quarts du temps, je trouve que les mecs jouent mal. Et je sais pas, c'est le format, c'est M6, il y a la publicité. Enfin, je sais pas, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ça me fait penser au dimanche soir quand j'étais chez mes grands-parents et qu'il fallait que je fasse mes devoirs. Je sais pas. Ça me fait penser à la météo. Ça me fait penser à. Il y a l'école le lendemain. Ça me fait penser à plein d'autres. Plein de trucs que je sais pas. La télé, quoi. Je trouve ça trop prévisible. Ça me fait pas rire, quoi. Voilà. Je trouve ça trop prévisible. Je trouve que c'est vachement bien écrit, mais je trouve que c'est très mal interprété. Voilà. Alors, des fois, il y a des passages que, bien sûr, ils ont fait tellement d'épisodes, il y a plein de trucs que je trouve bien. Mais d'une façon générale, je suis pas du tout fan, non. Là, tu me dis, on se regarde une heure de Camelot, faut me payer, hein, ça me fait chier. Non. J'attends pas du tout le film, par exemple.
Non, non, je vous dis, ça me rappelle la télé. Je suis pas, j'aime pas la télé. J'aime plus la télé. Ah, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent, mais bon, écoutez, on peut pas tous avoir le même goût. Hein. Mais par contre, je suis ouvert d'esprit, encore un petit peu. Je comprends qu'on puisse aimer. Je comprends les qualités. Pourquoi il m'emmène ici, la Brand, depuis tout à l'heure? Coup de poignard dans le cœur. Avec le film. Ah non, mais moi je... Eh, c'est quoi cette petite lampe? Hein? On n'est pas d'accord? Et on a retrouvé Amanda. On n'est jamais venu ici, hein. On va parler à elle, là. L'intello. La princesse sage... Non, puis voilà, attendez. J'espère que ça va pas défiler. Je vais te le dire après, Léa. La princesse sage parla nonchalamment avec des yeux brillants de satisfaction. Sir Peter s'est échappé. Jennifer et Amanda, vous devez le retrouver immédiatement. Ben on va le trouver, file-nous un truc qui lui appartenant, je fais Ronnie Flabron. Non, en fait, ce qui m'a vraiment beaucoup agacé, c'est que j'ai regardé le spectacle de... Comment il s'appelle? Le mec qui écrit et qui réalise et qui produit aussi, Kaamelott. J'ai regardé son spectacle et j'étais très très déçu par son spectacle. Ça se voulait très très intelligent et drôle et j'ai trouvé ni intelligent ni drôle. J'étais très très déçu. C'était bien, hein. Mais je sais pas, tout le monde disait que c'était fantastique. Je me souviens plus de du nom, c'est sur l'espace. Voilà, Astier. Ça m'a pas fait... Je sais pas, j'ai trouvé ça très moyen, quoi. 12 sur 20, alors tout le monde trouvait ça fabuleux. Donc du coup, après, mon prisme a changé sur ce type-là, que je pensais génial, alors qu'il est juste bon. Et du coup, après, quand je regardais Kaamelott, ben, je trouvais tout juste... Enfin, quand je regardais les rediffs et puis tout ce qu'il y a sur Internet, ben, ça me faisait pas rire. J'étais déçu, voilà, j'étais déçu. À quatre pattes, la princesse mesquine dit... Peter doit bien être quelque part, j'en suis sûr. Puis je crois qu'il a fait 2-3 sorties, enfin je sais pas, il a dit 2-3 trucs qui m'ont pas plu. Je veux pas dire de bêtises. L'homme m'a déçu. Voilà. Je trouve que Albert Dupontel est beaucoup plus drôle. Et je trouve qu'il écrit beaucoup mieux. On va aller dans la sick room pour voir si on est malade. Voilà, l'exoconférence. J'étais très déçu par l'exoconférence. Les spectacles ne sont pas du tout digestes, trop riches en fait. Et rapport à la médiocrité, des sketchs sur les portables, oui, ça paraît intelligent. Ben moi, j'étais très 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 déçu par l'exoconférence. Déjà, quand tu donnes un titre comme ça, t'as intérêt à avoir de l'épaisseur, quoi, tu vois. Et j'ai trouvé ça pas terrible. Vraiment, hein, sans être méchant. Et tout le monde... je sais pas. Bon, allez, je retourne dans le jeu. La princesse est scellée par la nerveusement, pardon, tout en tentant de maîtriser sa toux. Elle est malade? Mr. Bunny is gone. Mais qui est Madame Bunny? D'abord. Tout le monde a disparu, tout le monde est parti. Comment on fait pour trouver Peter? Dis donc, et ce jeu, en fait, il est... Alors, autant je pestais pour les jeux qui nous prennent trop par la main, autant celui-là... Là, c'est la roue libre, là. Hein. Là, on est bien. Si t'as envie de perdre ta vie, je peux tout faire renifler à Brown. L'aéronef a été entièrement modélisé. Toutes les portes sont checkables. J'ai le vertige. Là, j'ai le vertige. Je sais pas où aller, je sais pas quoi faire. Non, l'idée principale, ça serait de se casser d'ici, déjà. Et de... Oui, Là, franchement, je suis complètement... complètement paumé. Si vous avez une... Non, pas par là. Si vous avez une idée, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout pas à m'éclairer. Là, c'est fermé. Il a un côté prétentieux qui peut énerver pas mal de monde. C'est exactement ça. C'était le mot que je cherchais. Enfin, que j'aurais voulu trouver. Je le trouve très prétentieux. Donc du coup, il me fait plus du tout rire. L'homme, hein. Après, dans Kaamelott, bon, ça se voit peut-être pas. Mais l'homme, oh là là, mon Dieu. C'est pour ça que j'aime beaucoup Dupontel. Alors, ah oui, alors regardez, quand je vais là, il va là, évidemment, quand je vais là, il va là. On va plutôt parler au petit gamin.
Quand tu brilles, t'as tendance à faire mal aux yeux, surtout de ceux qui ont tendance à ne pas les ouvrir. Oui? Pourquoi pas? La princesse froide parla à la fille. Non, mais c'est bien. C'est bien, tu t'exprimes, hein? On est là aussi pour... Enfin, le chat, c'est aussi pour ça. On n'est pas là que pour écrire des conneries. On peut aussi avoir un peu de prose fleurie et en turbanée. Moi, ça me fait plaisir que tu t'exprimes. Et en plus, c'est joliment dit. Moi, je veux faire un screenshot. La princesse froide parla à la fille d'un ton égal et sans émoi. Bon, le jeu est bien écrit aussi, celui-ci. Hein. Peter ne devrait pas être sorti de sa cage. Ah, mais Peter, c'est pas du tout ce qu'on croit. Peter, c'est un petit oiseau. Comment on peut faire pour l'amadouer? Vous auriez une petite idée? Mais j'ai un bol fou, hein, parce que je parle en même temps et l'histoire avance. Hein. Depuis tout à l'heure, on a tout bon au niveau cinématique. On a même retrouvé Peter sans le vouloir. Il faudrait que lui faire peur et mettre quelque chose ici. Il faudrait remettre une cage. Bran, qu'est-ce qu'il fait, Bran? Regardez ça. Dis donc, Bran. Peut-être pas le moment de faire ça ici. Je sais pas comment on pourrait. Là, j'ai eu un bol, mais monstrueux, hein. On a trouvé Peter. Moi déjà, je pensais que c'était un humain. Il se retrouve dans le salon, Peter. Alors là, je me pose une question. C'est pourquoi avoir mis un zoom si c'est pour que ça pixelise? Ils auraient dû partir de cette image initiale pour dézoomer. On fait pas l'inverse. Vous comprenez? Bran regarde le mur et fait face à l'absurdité de l'existence. Ah bah oui, mais lui, il a laissé tomber le jeu là déjà. Bran, il a compris qu'il servait qu'à trouver des biscuits. Terminé. Peter dans la cage. Mais oui, mais où la cage? Moi, je suis d'accord avec toi, bien sûr. À chaque fois que je vois Dressing Room, je pense à Dépression Room, je sais pas pourquoi. On n'a pas autre. Avant, c'était fermé ici. Mais voilà, c'est pareil. Avant, c'était fermé. Comment je. Là, c'est au petit bonheur la chance que j'ai ouvert la porte, hein. Vraiment, hein, je confesse, quoi. On aurait pu tourner en rond pendant des heures, on a trouvé Peter, mais. Peut-être qu'il faudrait utiliser un petit bout de biscuit? Un petit biscuit? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, les biscuits, ça sert que juste à les manger, c'est pour nous, ça nous remet en forme. Mais du heavy. Oui, pas de vinyle. J'ai pas de vinyle. Si je mets utiliser, on va le manger, ça sert à rien. Au niveau des clés. On a tout fait. On peut faire sentir la clé à trois feuilles à Peter. À Peter. À Bran. Non, mais on a trouvé Peter. Il faut. Il va nous emmener où là? Il est où? Il est où le chien? Bah, le chien a disparu. Ah non. Oui. Bon, il faut qu'on trouve une cage. Qu'est-ce que votre intuition vous dit, vous, quand vous voyez le petit oiseau là qui avance et qui. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? La princesse froide parla à la fille d'un ton égal et sans émoi. Bah, elle me répète la même chose. Peter ne devrait pas être sorti de sa cage. Bah oui, faut qu'on retrouve la cage. Du death metal, faut pas confondre. El Dia de la Basta, Alex de la Iglesia. Oui, j'ai vu le film. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Hein. J'étais tout jeune, j'avais trouvé ça génial. Le jour de la bête. Chope le piaf et refoule-le dans sa cage. Oui, mais je peux pas. Oui. Mais vous êtes d'accord qu'il faut la cage. Hein. Sans la cage, on va arriver à on n'arrivera à rien. J'ai l'impression que c'est un jeu où. Qui est pas forcément. Moi qui pensais que ça allait être un peu. Que ça allait être plus fluide. En fait, c'est un jeu où c'est un Resident Evil point 1000, où on passe beaucoup de temps à chercher, quoi. On passe des heures. J'ai peur de ça, moi. Moi, j'ai peur de ça. J'ai peur que ce soit un jeu où, regardez-moi, ils ont. Non, mais c'est vrai, tout à l'heure, je blaguais, ils ont modélisé tout l'aéronef. Toutes les portes sont consultables. Bran peut sentir chaque objet.
Allez, Bran. Repars pas en arrière, hein. Sinon je te... Sinon je te sers, je sers le collier d'un cran. Hein. Aïe, regardez ce qu'il y a là. C'est un petit lapin. Viens là, toi. Allez. Il a tourné à droite, le petit coquin. Vous avez vu le petit lapin? Bon, ce qui est bien, c'est que c'est comme... Oh putain, il m'a fait peur, ce con. Je vais dire, c'était bien rythmé. Joshua, j'ai écrit une nouvelle histoire pour toi. Mais qui est Joshua? Il est parti. Ah, c'était lui. En fait, ça se déclenche peut-être quand le chien cherche. Là, on lui a fait sentir la clé, donc on... Ah, il s'est passé quelque chose. Le jeu est bien rythmé quand même. Parce que, regardez, à force de faire les choses, il y a des cinématiques qui s'enclenchent, il y a des triggers. Ce dont je redoute n'arrive pas, en fait. C'est-à-dire d'être complètement perdu. Le mec, quand il sort dehors, qu'il fait moite et tiède, il dit Joshua. Genre chaud et froid. Oh là 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 là. Moi, j'abandonne, hein. Depuis combien de temps vous êtes amis, Léa et toi? Là maintenant, ça m'intéresse. Jennifer a trouvé crotte de Peter. Ah bah oui, mais c'est pas comme ça qu'on va attirer l'oiseau. Le sac contient les mêmes billes noires que celles répandues sur le sol. C'est pas des crottes, c'est... Vu que maintenant on sait que Peter est un oiseau, c'est des graines. C'est pas du tout ces crottes, c'est de la mauvaise traduction. Non, c'est marqué crotte, Peter. Bah alors. Non mais c'est quoi ce délire? Des boulettes d'excréments? Non mais c'est ça, des boulettes d'excréments qui sentent vraiment mauvais. Mais qui collectionne ça? Joshua? C'est toi Joshua? Et là qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un 421? Qu'est-ce que c'est? C'est des dés? C'est... Mon dieu. Oui c'est le caca... Ah, il y a quelque chose. Inventaire plat. Ah putain. Allez, vous savez quoi? On va abandonner les clés, déjà. Et j'ai regardé dans la VOD, Nictaras, tu me disais de, en pensant que c'était très habile, d'aller dans l'inventaire pour poser les objets là, dans la poubelle. Mais en fait, je peux les abandonner. Là où je me trouve, je peux mettre les objets, mais si je les abandonne, ils vont directement, de toute façon, au stockage. Parce que après, j'ai eu l'impression de t'avoir mal répondu, parce que je t'ai dit oui, t'as raison, mais non, t'as pas du tout raison. Carte or. Ah non, ça c'est ce qui est déjà stocké. Ok, donc on est d'accord. On peut ranger les clés maintenant qu'on a ouvert. P1 feuille. Oh mon dieu. Bon, le papillon bleu, on n'en a plus besoin. Enfin, la boîte à papillon, on n'a plus besoin. Allez hop. Et puis pareil pour la sucette. Bon, admettons la sucette, on la garde. Allez. Le ruban, on a un ruban. La fourchette, on n'a plus besoin. On a un couteau et c'est beaucoup mieux. Allez, hop. C'est bon. Eh bien, la bonne heure. Allez, on ramasse ça. Ça va débloquer la suite de l'aventure. J'en suis convaincu. Jennifer a trouvé Sir Peter. Ah bon? Non, Sir Peter, c'est... Ah, c'est le petit livre. Le petit livre. Le petit livre. Remarquable. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Sir Peter, parti flâner. Sir Peter, mis en cage, dû se retenir. Sir Peter, doit partir. Il ne veut pas pêcher. Sir Peter, en sachet et enlevé, avant qu'il trouve des toilettes. Adieu, Peter, adieu. Bon, c'est très bien, ça. Hé, mais Peter, c'est le petit lapin? Je comprends rien. C'est un oiseau, il fait plein de... Vous avez vu le tas de crottes aussi? Comment est-ce possible? Et là, maintenant, il y a un petit dessin ici. On peut rien faire, là? Le petit lapin, là, il y a forcément de moyen de faire quelque chose.
Bran, viens là, tu vas sentir ça et on va retrouver... Il s'appelle... On est bien d'accord que Peter c'était l'oiseau, c'était pas le lapin. Allez, on va demander tout de même qu'il le cherche. On va avoir le cœur net. Je fais une petite save. Je trouve ça curieux. Hein. Oui, oui, bien sûr, j'écrase. J'écrase tout là. Allez. Je sais juste que Peter finit pendu comme un jaumon dans le petit bouquin, oui. Mais le petit bouquin aurait pu nous aider, puis finalement... Ah bah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me veut? Il veut la bagarre? Ah, tu veux te battre? Fais gaffe, parce que maintenant, c'est... J'ai un coupe-coupe, hein. C'est plus la même... C'est plus les mêmes affaires. Alors, je peux vous dire que là, les combats... Oh bah non, mais ça sert à rien. Ils sont trop nombreux. Allez, on le tue pour le plaisir, hein, mais c'est vraiment parce que c'est vous. Ah là, c'est bon. Oh, il m'a pas eu. J'ai vraiment de la chance. Crottin de lapin Peter, voilà, voilà. Bravo. Le 6V de lapin, ça j'ai pas compris. Ah oui. Vous voulez pas qu'on ait des nouveaux followers? C'est pour ça que vous, c'est votre mission. Vous voulez m'avoir rien qu'à pour vous. C'est pour ça que vous écrivez des âneries. Et attendez là. Il y a eu un retournement de caméra, je sais pas par où le lapin est passé. Ah bah de toute façon le chien va me le dire. Hein, vous voulez m'avoir rien que pour vous. Donc vous marquez n'importe quoi, comme ça les gens arrivent, ils se disent c'est quoi ce chat, ces gens sont complètement idiots. Et puis partent quoi. T'es où, Bran? Merci, Bran. Heureusement qu'il y a le chien. Parce que là, le lapin, j'ai pas vu dans quelle direction il était parti. Hein. Heureusement qu'il y a le chien. Heureusement que Bran est là, à nos côtés. Si je streamais pas, je serais bien content, là. Je me sentirais pas seul. C'est quoi ces petits machins, d'ailleurs? Les faces de crapaud, là. C'est toi qui les as fait? Remarquable! Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait! Ah, tu me tends la perche, hein? Allez, Peter. Allez, Bran. Cherche-moi ce petit lapin. Ah, on a trouvé quelque chose de mieux que le coupe-coupe? J'ai une affaire à trouver un couteau. Ah bah, c'est mieux qu'un épluche patate. Mais vous avez vu, mon épluche patate, il est plein de sang. On dirait un gros couteau à la Rambo. Alors, je l'aime bien, moi. Peut-être que le couteau qu'on vient de trouver, il est moins bien. Attends, je le regarde. Est-ce que c'est mieux ça? Un couteau de cuisine aiguisé utilisé pour préparer la nourriture. Bon, d'accord. Et là, ce qu'on a, c'est quoi? Est-ce que c'est mieux pour la bagarre? Épluche légumes. Petit couteau pour éplucher les fruits. Attention, il est aiguisé. Oui, bah là non, on prend le couteau de cuisine. Hein? Et puis l'autre, on l'abandonne. Voilà. On va optimiser, là, on optimise. Il faut optimiser à un moment donné. Hein. Et on abandonne le couteau de cuisine. Oui, 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 on abandonne, on t'a dit. Upgrade de la lame, exactement. Mais elle aura toujours cette attitude mal à l'aise. Mais regardez, le couteau, il est plus petit, là. Je suis pas fou. File-lui une tronçonneuse nucléaire, elle la tiendra toujours comme celle-là. Oui, c'est exactement ça. Vous croyez que cette arme-là est plus puissante que l'autre? J'ai l'impression que ils ont confondu les skins entre l'épluche légumes et le... Et le couteau de cuisine, c'est ça qui ressemble à un épluche légume. Attendez, je suis pas complètement fou. Regardez, on est bien. De toute façon, je l'ai abandonné l'autre. Non, non, c'est bon, j'ai le couteau. Allez, Bran, où est le lapin? Montre-nous le chemin. Ah, t'as trouvé quelque chose? Oula! C'était un traquenard. Qu'est-ce qui s'est passé là, Bran? Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ça a fait ça? Vous avez vu ça, cette arnaque? Ce traquenard? Je te donne pas des leçons de mode, mes collants et chaussures de rando, c'est pas ouf comme look.
Oui. Ah, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Ah bah ben, on peut pas, mais on aimerait bien. Ils vont venir les autres? Oui. Ah oui, puis ils sont pas que deux là. Oula, oula, mais ils sont 10 000. Comment je manipule ça? Regardez-moi. Bon, allez, attendez. Là, il s'est passé quelque chose de... Mais ils sont combien sur moi? Je vais crever ici? Non, mais je peux pas. Je suis soft lock. Je suis soft lock. Attendez, là, il me faut un shotgun, là. Putain. Mon dieu. Ils ont pas un petit peu abusé, là, sur le nombre? Mon dieu. J'ai l'impression que si, quand même. Bon, Léa qui se plaignait qu'on entendait trop le violoncelle, j'espère que t'es contente. Maintenant, c'est plus que le piano. Mais lui, là... C'est curieux, ces ennemis... Bon, allez, on retourne au secteur 7. J'ai essayé de faire mon mieux. Oui, mais moi aussi, j'en pouvais plus. Comme je stream, je pouvais pas le dire. Mais maintenant qu'il est parti, je me sens un petit peu mieux. Le piano en boucle. J'imagine que c'est la même nappe. Ah, on peut rentrer dans l'Aristocrat Lounge maintenant. Le petit piano en boucle passe beaucoup mieux. On n'est jamais venu là. Mais en fait, c'est ça qui est curieux. C'est que maintenant, tout est ouvert. Pardon. Attendez, là, si on a trouvé la baramine. Jennifer a trouvé tuyau en fer. Oh là 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 là, mais alors attendez, là on passe à un... Là c'est une bonne upgrade. Il est où? Ah il est là. Là c'est plus de l'upgrade, là on va terrasser tout le monde. Si on peut le prendre. Oui, le piano est moins agressif. Tuyau en fer, long tuyau en fer rouillé qui peut-être être utilisé comme une arme. Peut-être. Bah non mais c'est sûr. Ah bah oui. On le prend. Hein? On est d'accord? Ah bah oui, là, c'est bon, ça. Bon, Brown. En plus, ce violon a une tendance à rester en tête. Je crois que je l'avais en boucle dans la tranche aujourd'hui, because la VOD de Speedy. Bon. Je l'ai eu aussi pour pas te mentir, je l'ai eu en tête pendant longtemps. Ah bon, bah ça va, je suis pas le seul. Ah, je m'en excuse. Mais regardez, on a l'impression que tout est cliquable. Non mais j'aime beaucoup le jeu, mais je vous avoue que... Mais je suis... Enfin, je préfère ça que Call of Duty, hein, soyons clairs. Hein. Je le trouve bien. Hein. Mais je sais pas, je me sens complètement perdu. Alors c'est peut-être le fait de le streamer, si j'étais seul, je prendrais mon temps, je ferais sentir tout à Brown. Là, je me sens dans une... comment dire... dans un devoir de résultat, vous comprenez? Comme je stream... J'ai l'impression que je me dois d'avancer, quoi. Donc si on tourne en rond, je me sens fautif. C'est la caméra qui tourne pas au bon moment, c'est un bonheur, ça aussi. Allez. Non, mais non, non, attendez. Brown qui veut faire demi-tour, certainement pas, hein. Par contre, un truc qu'on pourrait faire, c'est de passer plutôt par là. On l'a déjà fait. Non, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. C'est par ici hein, qu'on doit s'aventurer maintenant. Moi, j'espère trouver la cage. La cage à l'oiseau, là. Non, non, Brown. On n'a rien de l'oiseau, mis à part ses coups. En plus, j'y crois pas une seule seconde que c'est les crottes de Peter. Peter, on est bien d'accord, c'était l'oiseau, c'était pas le lapin. Mais c'était des crottes de lapin qu'on a vues. Je me perds dans le jeu, hein, je vais pas vous mentir. Et là, si on veut faire sentir par exemple la clé à Brown, il nous dit qu'on peut trouver la P1 feuille. C'est pas simple, hein. La traduction ne m'aide pas non plus, hein. Et si on fait sentir le ruban, ça c'est pour retrouver Amanda, d'accord?
C'est pas simple. C'est pas simple, c'est pas simple. Et puis la caméra qui se retourne à chaque fois, je me... Regardez par exemple, là. Normalement, quand il y a un changement de caméra, vous savez, vous laissez votre doigt appuyé sur le stick, et puis ça prend en compte la direction en fait. Après, si vous lâchez le stick, ça repart dans une autre direction. Ben là, non. Comme dans les vieux jeux, je fais ça, et regardez, hop, 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 elle continue pas de courir. Voilà, elle repart en arrière. Ça, c'est vraiment un petit peu agaçant, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais il ne faudrait pas suivre Brown, il gratte les portes forcément pour une raison. Bah, si tu veux, il va me ramener à Peter, mais Peter, on sait déjà où il est. Moi, ce que je veux, c'est trouver une cage ou... En même temps, t'as sûrement raison, puisque à chaque fois que j'ai une idée, c'est pas la bonne. Mais j'ai envie de m'aventurer, parce que regarde là, par exemple, nous ne sommes jamais allés ici. Là, c'est une espèce de... On peut pas interagir. En fait, Amanda veut nous donner quelque chose... Mais Peter a disparu, hein, c'est ça que j'ai compris. Mais Peter, on sait où il est. Mais faut qu'on l'attrape. Et pour ça, il faut la cage. Enfin, je sais pas, ma logique me dit. On peut descendre là? Quoi ça? Un escalier, non? Me dit qu'il faut qu'on trouve la cage de l'oiseau, qu'on ramène l'oiseau à Amanda, et Amanda va nous filer son cadeau. Bon, il y a un moment donné, il va falloir qu'on aille dans toutes ces petites nacelles faire quelque chose, hein, je sais pas quoi. Mais il va y avoir interaction, je sais pas. Ce qui est curieux, c'est qu'elle me dit rien du tout. Hein. Je clique un petit peu partout, mais il n'y a aucune piste. Aucune piste n'est envisagée par Jennifer quand on est dans les nacelles. Hein. Ah, ils appellent ça maintenance. Bon, là, je me fais pas avoir. On a bien été de l'autre côté. Là, on peut pas passer à cause du gaz. Vous ne pouvez pas aller plus loin, voilà. Alors, je regarde quand même la carte. Bof, le jeu n'est pas forcément logique. Si ça se trouve, elle va choper le piaf, le foutre dans son slip et basta. C'est vrai qu'à chaque fois, on est surpris par les cinématiques. Et notamment... c'est là où j'ai vu que rien ne fonctionnait comme je m'y attendais. C'est quand j'ai vu que Brown déchirait lui-même le mur en toile. Là, je me suis dit, bon, bah, allez, hop, c'est la fête du slip. Hein, tout peut arriver. Vous avez vu sur la carte, il y a un objet... Il y a un objet cliquable, enfin, un item qu'on peut ramasser. Il est en jaune. Il est un peu plus loin. C'est un truc que j'ai abandonné. On va voir ce que c'est. Ou alors c'est peut-être une interaction possible. Je crois que c'est un objet. Ce serait pas ça? Non, c'est beaucoup plus loin. Non, mais j'essaye de comprendre. Et tout paraît suspect. On a pris l'ascenseur, ça nous a servi à quoi? Ah non, mais c'est Brown! Ah! Oh. C'est Brown qui est en jaune sur la carte. À chaque fois, je me demandais ce que c'était quand je regardais la carte. C'est le chien. Mais pourquoi ils l'ont mis en jaune? Puis déjà, ils auraient pu le mettre en marron, il s'appelle Brown. À moins que ce soit du marron. Non, c'est du jaune. Bon, on peut suivre Brown. Hein. On va faire comme tu dis, Nyctaras. Nyctaras, malgré tous ses défauts, et Dieu sait qu'il en a souvent de bonnes idées. Dieu sait s'il en a. Ouais, heureusement qu'on a plus le violoncelle. J'aurais pas supporté, je crois. Le violoncelle peut être motif de rage quit. Hein. Lui avec le... Mais... Je trouve curieux, lui. Mais je suis désolé, mais la baramine fait moins de dégâts que le couteau. Hein. Alors peut-être qu'elle est plus facile à manœuvrer. Et pareil, elle met des coups de pied, mais... Bref. Les coups de pied ne servent à rien, quoi. Au sol, j'ai l'impression. Hein. J'ai jamais eu de feedback dans la manette... me disant que je touchais l'ennemi au sol, vous savez, comme dans Silent Hill.
J'ai envie de reprendre un biscuit par contre, parce que ça fait longtemps. C'est comme ça, en plus, ça fait de la place. Là où je suis con, c'est que maintenant j'ai pris le dernier, donc pour trouver les autres biscuits, il me refaut la boîte à biscuits. Ça doit être le bon chemin, vu que les ennemis tombent du ciel. Il y a un décalage entre l'atmosphère et ce qui se passe. Pourquoi il y a des ennemis, là? Puis le piano est tout doux. Enfin, vous voyez, c'est curieux. Dans la partie 2, quand on s'est fait attaquer, bon, la musique s'était un petit peu énervée, on pouvait comprendre. Ah, mais voilà, c'est pour ça que je suis pas Brown. C'est parce que la dernière fois, on s'est arrêté là, quoi. Alors, est-ce qu'il y a moyen de passer de l'autre côté, en faisant le tour de l'autre côté, voilà. Enfin, en contournant. Non, 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 ne saute pas dessus. Mais ils sont trop nombreux, là. Non, mais... Là, c'est le délire. De toute façon, vous l'entendez à la manette que c'est le délire. Putain. Non, puis j'ai pas sauvegardé depuis un bout de temps, j'ai pas envie de mourir ici. Oh putain, non mais c'est... Mon dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je veux me mettre de la vie, hein. Malheureux. Le jeu partait bien, et puis on se retrouve sur du jeu PS2, voilà. Et en même temps, j'ai pas envie de dire ça, parce que je viens de me faire tous les Fatal Frame, et ils sont fantastiques. Il y a quelque chose par terre, là. J'ai dû faire à trouver un biscuit, bah merci bien, parce que... Hein? Et ben là, pareil. C'est encore un biscuit, ça? Oh, merci bien. Mais qu'est-ce que... Nous ne sommes jamais allés passer par ici? J'ai une verre à trouver une tarte. Ben, ça y est, là, le jeu me... Qu'est-ce que... Quoi? Parce qu'il a senti que j'allais mourir? Il est bien gentil, d'un coup. C'est tous les biscuits que j'ai pas ramassés quand j'ai demandé à Brand de chercher. Ils cumulent. Là, on arrive dans la cuisine. On n'est jamais passé par là. Et je reprends le couteau. Hein. Tut, 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 tut. Je reprends le couteau. Voilà, c'est ça qui est curieux, c'est que maintenant, il y a des pièces qui étaient bloquées qui maintenant sont ouvertes. Donc du coup, j'ai de la chance de revenir ici. Avant, c'était fermé. C'est ça qu'on nous demande de trouver des clés, puis en fait ça sert à rien parce que les portes qui sont fermées s'ouvrent. Puis voilà, par exemple celle-là elle est fermée, mais ça se trouve dans 3 cinématiques elle va être ouverte. Mais... Oh mon dieu. Ouais, c'est vieux, hein, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. C'est con parce que j'aime bien. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les trucs, mais là, c'est pas possible, quoi. À cette époque-là, il y avait quand même Resident Evil 4, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors certes, le propos est plus ambitieux sur celui-là que la disparition du fils du président dans Resident Evil 4, mais putain, le gameplay, c'est... Là... Alors je vois bien l'idée, hein, d'un conte un petit peu... Alice au pays des merveilles, version... version trash... Mais à la limite, ils mettent pas d'ennemis. À la limite, il y aurait même pas d'ennemis, ça serait des énigmes, mais ça sert à rien, là, les combats. Là, les combats, ils ne servent à rien. L'aéronef serait un tout petit peu moins grand. Il y aurait pas d'ennemis. Ce serait carrément plus intéressant. Mais regardez, on va pouvoir le prendre, là, ce couteau-là? Pourquoi elle le prend pas? Vous voyez, ça, c'est énervant, ça aussi. Il y a un gros couteau, elle le prend pas. On est venu à la cuisine, du coup. Ça n'a servi à rien. Brown, aide-moi. Bob Brown, il a abandonné.
Bon, on va retourner voir Peter, hein. C'est comme ça que ça va se terminer. Maintenant qu'on a retrouvé ses crottes. Mais je vois pas le lien. Ça se trouve, il y a une cinématique en disant « Ah, t'as retrouvé les crottes de Peter. Merveilleux. Voilà, je te donne tout de suite mon ton cadeau. » Mais du coup, c'est ça qui est horrible. C'est que du coup, on a l'impression que toutes les portes peuvent être potentiellement être ouvrables maintenant. Enfin, peuvent s'ouvrir. Ah bah c'est une cinématique. Ouais, vous voyez, c'est curieux. Hein. Et puis quand ça fait A, je sais pas si c'est si c'est l'ennemi ou c'est moi, quoi. Ouais, ça fait combat d'handicapé, quoi. Alors ça, pour les SQV, je suis bon. Mais elle a une allonge, je sais jamais si je vais toucher l'ennemi ou pas. Voilà, a priori j'ai bien fait de faire le combat parce que la porte s'est déverrouillée, non? Je sais pas. C'est mystérieux, c'est un jeu mystérieux. Alors maintenant on peut plus monter, vous voyez, il y a de la cordelette. Alors lui il a un couteau par contre, il va peut-être nous filer, il a l'air d'être doré. Je crois pas une seconde. Regardez, on voit bien que c'est une dague un petit peu dorée. Là. Ça ressort vachement. Ça ressemble pas à un balai, là. Là, on peut le prendre. Non. Bien sûr que non. Voilà, là, il est mort. Ah si, si. Voilà, je suis pas fou. On peut le prendre, ça. Inventaire plein. Pff. Borf, le jeu n'est pas forcément... Oh non, mais je suis en train de relire ton commentaire. Ah bah on peut se reprendre un biscuit évidemment. Ah mais je suis toujours en mauvaise santé. J'en prends un deuxième. Ah là là, c'est la fête. Vous voyez, j'ai vu juste là. Hein. Jennifer a trouvé coup baron. C'est un coup de papier quoi. On regarde ça. Il est où? Coup baron. C'est quoi ça? Regardez. Un couteau décoratif avec baron inscrit dessus. Bah on le fait sentir à Bron. Oui, j'ai déjà lu. Le jeu est très très particulier. Hein. Mais vous imaginez si je fais sentir tout à Bron? Alors? Ça lui dit rien. Non, ça, les toilettes, on a déjà fait. On a déjà fait ça. Voilà, bon, cette porte-là, en fait, on pourra jamais l'ouvrir. On fasse une croix dessus. Bon, avant que l'ennemi arrive, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que maintenant, c'est... Voilà, maintenant, c'est terminé. Ici, on peut plus passer. Hein. On va repasser par le fumoir. Et puis, on va retourner voir l'oiseau, quoi. Mais je vois pas comment je peux l'attraper. Qu'est-ce qu'on peut faire sentir d'autre à Brown qu'on a récupéré? Tu en fer? Non, bah de toute façon on peut pas. On peut que juste l'équiper. Mais à la limite je vais m'en débarrasser puisqu'on peut pas l'utiliser. On peut juste s'en servir comme arme. Je l'abandonne. Ça me fait une place en plus. J'ai une tarte. Ça m'a permis d'avoir trouvé le ruban. Et le ruban à quoi ça sert? Je vais le faire sentir à Brown. Sert à quoi ça le ruban? Oh mais il veut qu'on aille par là, attendez. Ça sert à quoi le ruban? Oh oui, c'est pas un... C'est un ruban mignon. Bon, je retourne voir Je retourne voir le Amanda. Les rubans, on s'en fout. Enfin, pour le moment. Ah, bah, il a une nouvelle trace d'un ruban. Oui, donc c'est un peu des collectibles, ça. C'est pas des objets uniques. De toute façon, dès qu'il y a un numéro, c'est un peu comme les biscuits. C'est pas des objets uniques, on peut les collecter. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais... C'est pas des objets clés, quoi. C'est pas un item. Bon, alors là, faut qu'on fasse gaffe. Hein. Il y a encore tous ces enfoirés.
Pas de me faire avoir une autre fois. Hein. Ah, mais c'est encore cette porte. Faut toujours avoir. Là, faudra qu'on se souvienne que si, quand le... On l'a lu tout à l'heure. Hein, quand l'électricité sautera, il faudra réactiver le courant. Ça sera ici, hein, au secteur 9. Je me le répète, mais je vais l'oublier, évidemment. Évidemment. Ah, t'as trouvé quelque chose, Bran, là? Ah. Allons-y. Starboard Livestock Room. Salle... Ah bah, ça faisait longtemps qu'on avait été à la salle à bétail. Ah voilà, alors là, on a trouvé un autre ruban, du coup. Mais bon, voilà, quoi. La petite fille n'est plus là. On pourrait peut-être prendre une cage, ici. Et ben voilà. Non, je dis ça, ça va pas être ça. Les yeux écartelés, les poulets inspectent leur cage réduite. Là, on peut peut-être prendre une cage pour attraper l'oiseau, non? Ça serait pas idiot. Ça serait pas idiot, ça. Je sais pas, moi, je serais le développeur, j'aurais fait ça. Ouais, les poulets s'agitent dans leur cage minuscule, incapables de déployer leurs ailes. Moi, j'aurais fait ça. Mais a priori, c'est pas ça. Puis il n'y en a pas une qui sort du lot, vous voyez, où je peux regarder un petit peu mieux. Ou peut-être celle-ci, mais non. Non, c'est même pas des cages, alors comme ça. J'aurais bien vu qu'on puisse prendre une cage. Tout simplement. Comme disait... Non, c'est pas Mylène Farmer qui chantait ça. Je ne sais plus. Je vais refaire sentir les... C'est malheureux, hein, pauvre chien. Pauvre chien, je suis en train de lui faire sortir de la merde de lapin. Et eux, ils popent à chaque fois que je... Ça, je comprends pas. Lui, pareil, avec lui, le lapin, là... Ah, mais attendez! Ah, putain, j'ai cru que j'allais ramasser le tabouret, mais non, je suis en train de lire l'affiche. Ah, faut s'accrocher, là. Je peux pas ramasser ce banc? Ah, non. Puis ils l'ont mis juste à côté de l'affiche, donc du coup, on... Mais comment voulez-vous qu'on passe, là? C'est comme tout à l'heure. Ça va être infernal. Pas grand-chose, malheureusement. Mon Dignitaras. Je t'ai demandé plusieurs fois des avis, des conseils. Mais bon, t'étais pas là, alors... J'ai pas pu... Mais non, mais... Puis de temps en temps, elle donne un ordre au chien. Et le chien peut pas m'aider, d'ailleurs. Vous savez quoi? Je vais les sauvegarder parce que je sens qu'ils vont nous tuer. Ma famille avant tout, mon ami. Bah, bien sûr. Évidemment. Faut très bien comprendre. Non, mais on va trouver. On va faire avancer l'histoire, évidemment. On va trouver ce... On va capturer ce pétard. C'est juste que ça me... Bah, allez, je regarde un indice. Il va me dire exactement ce que je sais déjà. C'est ça qui me fait peur. Si ma mémoire est bonne, l'heure est venue de savoir qui, de la princesse mesquine ou toi, sera celle au bas de l'échelle. Trouve et attrape Serpeter, le lapin. Bah, vous voyez, il dit que Serpeter, c'est le lapin, maintenant. C'est ton seul indice. Bon, au moins, ça m'a mis au clair que... Et dites-moi là si Léa est encore là et ou Nictaras, puisque vous êtes très actif sur le chat. Je le sais, vous aimez bien écrire de temps en temps pour m'aider. Vous êtes bien d'accord que tout à l'heure, Peter, c'était le nom de l'oiseau. C'était pas le nom du lapin.
peut-être moi qui débloque complètement maintenant. J'ai à peine dormi, peut-être que c'est moi, mais je... J'ai jamais vu ça nulle part pour le piaf. Ah, c'est moi alors. Ça m'inquiète, hein. Ah bon? Vous m'inquiétez, hein. Enfin, vous m'inquiétez, vous me... Ça m'inquiète pour moi, quoi, parce que j'étais persuadé qu'elle l'avait appelé pétard. Donc c'est le lapin, quoi, ok. Bah le lapin, ça j'étais sûr, je l'ai lu, quoi. Mais j'ai cru que c'était le... Je sais pas pourquoi. Alors toute ma diatribe sur quand j'étais en train de parler du... Toute ma diatribe quand j'étais en train de parler du piaf qui s'appelle Peter, c'était faux, quoi. Je l'ai rêvé. Par contre, ouais, Sir Peter pour le mec au chapeau, puis le lapin, d'accord. On est d'accord que si on fait sortir les crottes du lapin au chien, il va nous amener au chien. Il va nous amener au lapin. Je suis pas en train de faire une bêtise, quoi. Je vais quasiment plus vite que le chien. Ça se demandait à quoi me sert. Ok. On fait le tour. J'ai compris. Oh putain, alors là, par miracle, par je ne sais quel miracle, on est réussi à passer. Je sais pas pourquoi ils ont mis autant d'ennemis. Alors certainement pour, bien sûr, nous bloquer la route, mais... Y avait-il besoin d'en mettre autant? Ah, il veut qu'on fasse demi-tour, mais non. On va passer par le fumoir, on va passer par quelque chose. Il est où ce lapin? Ah oui, on peut tout ouvrir maintenant. Maintenant, on se trouve dans la salle du générateur. Ouais, c'est ça qui est curieux. Tout était fermé, puis maintenant tout est ouvert. Le générateur 2 fonctionne normalement. Bon, bah très bien. Oui, je sais, je suis au courant, Brown. Mais maman, elle inspecte. Traitement des égouts. Ah ben là, on peut sauvegarder aussi, d'accord. Oui, ne gratte pas trop. Tu vas abîmer la porte. Donc là, on peut sauvegarder. C'est curieux, c'est dommage que le jeu ne marque pas les indications pour sauvegarder, tout ça. Qu'on soit obligé de le faire de mémoire. Là, on peut accéder. Ah non, il y a un gros zoom sur... vous voyez, sur ce... espèce de panneau. Mais on peut pas... Bon, là, je peux sauvegarder, évidemment, mais je... Est-ce que j'ai besoin? Non. Je n'arrive pas à retourner... où nous étions. Enfin, j'arrive pas à rejoindre le lapin, en fait. Attends, Brown. Calme-toi 2 secondes. On est là, et on veut aller de l'autre côté. On n'est pas plus con qu'un autre, on passe par là. Une boucle. Je crois que la cuisine s'était fermée aussi, c'est ça. Et puis c'était plein de lapins. Bon, à la limite, ça, les lapins, c'est pas très grave, on peut les tuer, mais... Non, mais bon, on peut pas. Voilà, on ne peut pas rejoindre le lapin. Comme ça, c'est clair. Bon, ce jeu m'agace, ça y est. C'est dit. Oui, voilà, on peut passer par le fumoir. Pff, mon Dieu. C'est moi qui suis trop tête en l'air. J'oublie alors que j'ai dû passer au moins 5 fois par ici. C'est ma faute. Allez, mais on peut plus remonter. Tout
tout à l'heure, quand on a trouvé l'oiseau et tout, où on se trouvait? Le lapin devrait être ici normalement. Puisqu'il a passé la porte là. Ah, il est dans les toilettes. Merci mon Dieu. Oui, c'était une sorte de salle de dîner. Oui, et maintenant que tu me le dis, je sais où ça se trouve. C'est là où il y a la boîte à objets. Bon, c'est bon, le lapin est ici. Frappez, on frappe, hein, on est poli. Bon, on a quand même réussi à avancer. On va ouvrir alors, hein, si c'est comme ça. Hein. Ah ben là, il y a le choix. Mais ça, c'est pas écrit. Vous avez vu? Bon, c'est peut-être l'émulation. Hein. On ouvre. Là, je pose plus de questions. Hein, j'ouvre. Bon, mauvaise pioche. On va lui faire. On va s'occuper de lui très rapidement. Oh, il m'a loupé alors qu'il a. Et je suis à 1 mètre. Bon, tant mieux. Hein. Oh mon Dieu, ce combat dans les combats là dans le jeu, mais. Oh mon Dieu. Vous êtes sûr? Le mec a payé le jeu 600€, il se force à dire que c'est bien. Hein. Il est là, c'est un chef-d'œuvre. T'es obligé. Quand t'as payé ça 600€, t'es obligé quoi. T'es obligé de te mentir à toi-même. T'es obligé. C'est... Moi, je comptais l'acheter en plus. Moi, j'aurais payé ça 150€, je serais en train de vous dire. Assez formidable. Moi, j'ai chialé déjà 3 fois. La musique, le lapin, Peter, Brown. À cette époque-là, on savait faire des jeux. Mais oui, tu te voyais déjà claquer 400 balles sur ce truc. Mais non, mais tout le début... Tout le début est... Mais attendez, on peut plus ouvrir. Et le lapin est là. Allez, Brown. Mais attendez, je suis pas fou. Pourquoi elle veut plus ouvrir? Parce qu'on s'est trompé de porte. Allez. On ressent et on revient, c'est ça, on en est là, c'est un jeu comme ça. Ou faut qu'on se trompe, c'est une sorte d'énigme, il faut ouvrir la bonne porte. Non mais je pense que les jeux, les gens doivent aussi avoir la nostalgie. Mais en même temps j'aime le jeu, hein. C'est juste qu'il est très laborieux, voilà, c'est un jeu très laborieux. Mais il me plaît. Hein. Allez Brown, c'est où? Bon c'est cette porte là. Non, ouvrir ça doit être là. Hein. Mais il veut pas ouvrir. Ah, là, c'est frappé. On va y arriver par empirisme, hein, vous voyez? Ah, bah voilà. Mais il l'a pas... Brown. Mon Dieu. Voilà, c'est un jeu qui a mal vieilli, mais qui est plein de qualités. Je me suis toujours interdit de regarder des vidéos pour pas me faire spoiler, mais je suis sûr que les vidéos disent ça. C'est qu'il a plein de qualités, mais que bon, il a vieilli, voilà, il a... Le jeu a vachement vieilli. Voilà, c'est un jeu de 2006. Mais bon... Non. Il était là. Viens là. Me faites pas le coup de la porte qui se referme. Hein. Non, c'est bon. On va y arriver. C'est une VOD qui a mis un peu de temps au démarrage, vous voyez. Et puis au final, c'est fantastique. Allez, petit lapin. Mais en même temps, le lapin est très très bien animé, ainsi que le chien. Et les mecs, très difficile hein, de faire l'animation d'animaux. Les cinématiques sont cool quand même. L'agro sur le toit de l'aéronef, c'était un peu malaisant et bien fait. Oui, non, mais c'est pour ça que je continue. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nick Taras. Mais le gameplay, voilà. Et encore, je trouve que la maniabilité est pas mal. Franchement, elle se dirige à... très bien. C'est pas un tank, vous voyez, comme dans les vieux jeux. Elle se dirige beaucoup mieux, par exemple, que de la Fatal Frames que je suis en train de finir. Le 3, là. Voilà, le lapin devrait être là. C'est bon, on aura chopé quand même le petit lapin. Mais il se sauve encore, non? Oh ben non. On a ce sentiment quand même qu'ils ont essayé de rallonger la durée de vie, vous voyez?
Ils ont envie qu'on ouvre de la porte. Si vous aimez pas les jeux où on ouvre les portes, faut pas jouer à Roulant Froze. Mais du coup, comme tout est très espacé au niveau du temps, hein, l'espace-temps ça ralentit là du coup, et ben on a très envie de savoir, enfin en ce qui me concerne, on a envie de savoir le pourquoi du comment quoi. Pourquoi on est dans un aéronef déjà? Pourquoi on a perdu la mémoire? Qui sont ces gosses? Qu'est-ce qui va devenir de nous? Je préfère retourner la caméra. Là, il y a... Oh là, il y a eu meurtre, là. Forcément, le petit lapin là, beaucoup moins bien marché. C'est qui ça? Bon, j'espère qu'il est polio et qu'on peut se battre facilement contre lui. Ah, il est malaisant aussi, lui. Hein? Harnaché comme ça. Ah bah le... Allez, relève-toi, ma grande. On va attendre qu'il fasse une attaque. Déjà, on va se mettre là où il y a de l'espace. On va retourner la caméra. On va essayer d'être plus malin que lui. On a fini Dark Souls, hein, quand même. Hein. On lui met un coup, on se barre. Quelque chose me dit que j'ai bien fait de sauvegarder. Voilà. Ah, mais il nous met quand même un coup par derrière. Hein. Chope ton tuyau, non? Mais le tuyau, peut-être il y a une meilleure allonge, ouais. Mais il fait moins de dégâts. Je vais me prendre la sucette, si je peux. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller dans l'inventaire avant de... Bon, on a une tarte, carrément. J'ai bien fait de la prendre. Ok. Oh, il s'est énervé, là. Allez. On retourne la caméra. C'est malade, la jouabilité. Tu sais bien que c'est pas Tekken. Allez, saute. Fais quelque chose. Mais il est... Voilà. Si je martèle bien la touche, normalement, je devrais... Non, je peux pas. Ouais, on a fini Bloodborne, Dark Souls deux fois. Bloodborne deux fois et tous les Dark Souls. Et Sekiro. On peut quand même tuer cet handicapé quand même. Mais c'est le Dr. Hoffman. Ah bah oui, je comprends qu'elle disait que t'es sévère. Putain, là je suis en train de mourir. Il me reste bien un petit truc à manger. On a que des crottes de lapin, ça va pas être terrible. Bon, on essaie de le tuer, hein, c'est ce que je vous dis. Ah bah... J'ai très peur d'avoir loupé mon... J'aurais dû faire la... Et attendez, il nous a pas touché, là. Pff, mon dieu. Oh mon dieu. Remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Petite princesse, précieuse petite princesse, mais elle était toujours toute seule. La fille trouva sa tombe, aujourd'hui le jour de ses funérailles. Et tout le monde vécut heureux jusqu'à la fin des temps. On peut pas se laisser là-dessus. On peut pas se laisser là-dessus, je le tuais. Je le tue tout de suite. Je le tue tout de suite, je suis désolé. J'en suis désolé. Là je suis requinqué, Faut absolument que je sache. On va essayer avec le tuyau. Tu crois que le tuyau c'est mieux? Moi j'y crois pas. Hein. Parce que quand on a affaire à des ennemis avec le couteau, on les tue en 2-2. Avec la baramine, ça met 1000 ans. Hein.
Non, mais c'est bon, j'ai tout bon. Allez. On y retourne, c'est les toilettes. De toute façon, c'est simple. Hein. C'est simple à se rendre sur la position. Juste là, je veux savoir où il tourne. Voilà, il tourne là. Très bien. Non, je vais être plus méfiant. La biramine, en fait, c'est trompeur. Non, là, on se fait pas avoir. La porte se ferme. On passe directement là. La baramine, c'est trompeur. On a de meilleures allonges. On croit qu'on a de meilleures allonges, mais en réalité, c'est la même chose. Ah bah non, c'est celle-ci qui se referme merdiquement. Ok. Ah bah j'aurais eu tout faux. Oui, puis avec cette petite musique un peu blasée derrière, on a quasiment envie de se suicider, quoi. Faut pas jouer trop longtemps. Hein. C'est cette porte-là qui se ferme aussi. J'ai l'impression que je suis retombé dans le piège de tout à l'heure. Ah putain, oui. Laissez-moi passer. Oh putain, mais c'est pas possible. Non mais... C'est laborieux, voilà. C'est laborieux, c'est laborieux. Oh non mais regardez-moi ça. Quasiment j'ai envie de relancer la save. Oh, c'est bon, putain, je ne sais par quel miracle. Mais ils m'ont pris un peu de vie, voilà. Ils m'ont pris un peu de vie. Allez, mon Bron. Allez, mon Bron. On retourne aux toilettes. On t'est passé par là, hein. Voilà, le fumoir. Tout à l'heure, on aurait dû continuer. Puis on perd, il y a au moins 7 secondes entre chaque ouverture. À speedrunner, moi je suis dépressif, mais pas à ce point, quoi. Ça doit être compliqué, hein. Donc on se fait pas avoir, c'est celle-ci. Et on fait ouvrir. Cette fois ça bug pas, c'est bon. Voilà. Petit lapin, très bien. Du coup j'ai envie de save. Je crois que c'est la porte juste à côté. Je crois que c'est là, hein, juste là. Non, non, pas du tout. Quel con, et en plus c'est ouvert. Ah, mais là, il me... Ah non. Ouais, c'est fastidieux. C'est très, très, très fastidieux. Faut être d'un naturel positif quand on joue. Pas certain que ce soit mon cas, là, en ce moment. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bon, Bron. Il est où ce lapin? Ah, il est là. Voilà, c'est bon. Là, on est passé. Je suis quasi à deux doigts d'avoir envie de revenir faire une save pour être sûr. Mais en même temps, il y a la cinématique qui se lance, je crois. Hein. On n'a pas le choix de faire tout ça. Hein. Oui, j'arrive. Mais j'essaye de me souvenir où c'est que je peux faire une save. C'est pas ici? Non, ça c'est la salle de bétail. D'ailleurs, ça fait longtemps que nous sommes venus. Non, il n'y a pas de save ici, il n'y a rien du tout. Il y a une cage là-bas, est-ce qu'on peut la prendre? Eh oui, des cages vides sont empilées. Une forte odeur d'animaux flotte dans l'air. Oh mais merde, on peut pas prendre la cage. J'y ai cru, hein. Ils m'ont... J'y ai cru.
Tu n'as pas des biscuits pour te soigner déjà? Les biscuits, c'est pour... j'en ai. Mais pas suffisamment. Il me reste encore de la vie, là. J'ai une tarte. Alors, c'est sûr que ça serait mieux d'aller faire le combat avec plusieurs biscuits. Bon, je vais essayer de le faire. Je veux dire, si on meurt, ça sera pour la prochaine VOD. Mais là, je vais essayer de le tuer sans... Avec la tarte, quoi, juste. Parce que sinon, je pourrais très bien aller farmer, si tu vois. Aller chercher des biscuits un peu partout. Mais t'as raison, je crois qu'il m'en reste deux, normalement. Ah non, on les a trouvés après. J'ai que la tarte. Et les crottes, et c'est tout. J'ai un ruban et la clé, ouais. Bon, bref. Bah là, on peut aller save. Là, voilà, je save. Comme ça, on n'a pas besoin de tout refaire si on se fait tuer par le... par Hoffman. Je refais une save, vite fait. L'idée, évidemment, que si je jouais tout seul, je m'amuserais à aller prendre plein de biscuits. Quand on joue seul, moi, je perds un temps fou dans les jeux. C'est comme Dark Souls, c'est pas un jeu que je streamerais parce que je level up, je m'amuse à farmer pour avoir un meilleur level parce que le boss est dur. Enfin, vous voyez, quoi. Là je suis pas sûr d'avoir sauvegardé. Hein. J'ai pas écrasé. Hein. Oui. Voilà, là j'écrase. Ouais, j'avais pas sauvegardé. Bon allez, là allez, Hoffman, là, tu vas voir mon coco. On connaît ton pattern, tu nous fais plus peur. Et dans la poubelle, il n'y a pas d'autres biscuits? Non. Non, non, j'ai rien. Vous êtes synchrone, mais je n'ai rien. J'ai pas mis de bouffe dans la. Dans la poubelle. Voilà, c'est ici. Dans l'aristocrate Lugage. Bon, Hoffman. Ah bah non, avant, il y a le petit lapin qui s'échappe de la boîte. Une dernière fois. Un dernier frisson. Ah bah maintenant, il est là. Vous avez vu, le jeu évolue. Tout à l'heure, c'est rigolo. Ah, ça, c'est rigolo. Vous avez vu, le lapin maintenant était dans la valise. À chaque save, c'est pas la même chose. Ça me plaît beaucoup. Tout à l'heure, il était dans la boîte en carton et là maintenant, il était dans la valise. Je suis fou ou... C'est bien ce qui vient de se passer. Cette caméra de l'enfer. J'ai vraiment eu l'impression que le lapin n'était pas dans la valise la dernière fois. Ah, ouais, le jeu me fait tourner en bourrique là quand même. Ce qui s'est passé, c'est que je trouve ton enthousiasme un peu trop prononcé. Mais oui, mais il n'est pas fin. Hein? Du verbe feindre. Non, non, je suis d'un naturel enthousiasme sur ce jeu. Bon, évidemment, âme sensible s'abstenir. Hein. Ils sont en train de latter le petit lapin, quoi. Hein. C'est... Bon, déjà, moi, je suis soulagé parce qu'au début du jeu, je pensais que ça allait être le chien. Donc, quelque part, à choisir, je préfère que ce soit le petit lapin que le chien. Le petit mec, il passe le balai comme moi. Why, you little rat, Jennifer? Did you make a mess again? This is unforgivable, you dirty, dirty girl. Il faut que je sois prêt là, je suis en train de fumer, mais. Ok, Hoffman. Ah ouais, c'est Hoffman qui fait du bandage. Bon, déjà. Oh putain, mais vous voyez, on peut se faire avoir. Ah, il y a le chien qui l'attaque. Eh, ben il est mort. Attendez. La caméra, là, c'est mon ennemi. Hein. Allez. J'attends qu'il l'attaque. Voilà. Voilà, il faut l'attaquer pendant que le chien le... Vas-y, Brown.
Si Bron pouvait le refaire, ça serait fantastique. Vas-y, Bron. Il veut pas le refaire? Ah, mon dieu. Non, mais il me touche dans le dos. Oh, Bron, dire qu'au premier tour, il glandait rien. Mais oui. Mais là, il attaque plus, là. Et la caméra veut pas se retourner. J'ai envie de prendre la tarte, hein. Parce que je crois que niveau vie, on est merdique. Si on joue à la dégueulasse, on peut l'avoir. Mais il me viole là. Non, Bron, attaque. Voilà, très bien ça. Mais on peut pas le toucher quand il est. Putain, je vous assure que c'est un combat d'handicapé. Allez, Bron, essaye quand même de l'attraper là. Il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, mais. Oh putain. Tu lui donnes des ordres à Bron, il ne peut pas attaquer. Le seul ordre que je peux lui donner, c'est de venir, de s'arrêter et d'aller chercher. Mais là, je lui dis d'aller chercher, mais évidemment. Putain, je te réponds et je meurs. C'est ta faute, nique ta race. Et il est passé dans mon dos, c'est le moment ou jamais. Non, même en essayant de jouer habilement. C'est vraiment du random complet. Il y a des moments où il me touche, il y a des moments où il me touche pas. Bron, il ne fait plus rien. Et là, regardez, là, je me suis fait toucher, j'ai rien pu faire. Pareil. Oh putain, ça m'agace. Oh putain. Sans déconner. Remarquable. Ça vous plaît? Oh. Mais c'est moi qui l'ai fait. Oh là 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 là. Heureusement qu'on peut passer la cinématique. Mon dieu. Mon dieu. Bon, normalement, je prends la baramine. Oui, la dernière chance. Mais la dernière chance en général, là. Hein. C'est un petit peu la dernière chance. Faut regarder un let's play de quelqu'un qui connaît le jeu, ça doit être intéressant. Vraiment, la maniabilité est infernale. Infernale. Parce que ça a l'air... Faut avoir la manette en main pour se rendre compte. Je reprends la baramine. Voilà, le tuyau en fer, pardon. Mettre ça là. On va essayer avec ça. Hein. Peut-être que la longe est meilleure, on va voir. Mais j'y crois pas. Hein. J'ai vu que sur les petits ennemis, je les tue en deux coups. Et avec la baramine en trois, un truc comme ça. Bah au moins, avec tous ces petits subterfuges, le jeu a une bonne durée de vie. Hein. Bon, normalement, il tourne à gauche, là. Ouais, voilà. Bah sinon, l'idée, c'est de prendre plein de biscuits hors ligne. Et puis de tuer le boss, voilà, en ayant plein de biscuits. Mais alors, je sais pas si les biscuits sont en nombre limité. Non, c'est moi qui ai rêvé, hein. Tout à l'heure, il était dans la valise. Je sais pas si les biscuits sont limités, comme dans un Resident Evil avec les plantes vertes, vous voyez. Lightbox fait un quart de l'écran. On imagine aisément rien que Hoffman et ses coups. Attends, qu'est-ce que tu m'as marqué? On imagine aisément rien que Hoffman et ses coups. Ça fait très ragdoll. Les membres se balancent un peu random. C'est exactement ça. Non mais bon, là ce qui est bien c'est qu'il est là, hein.
Donc on va en avoir le cœur net, hein, si la barre à mine est... on peut le toucher. Mais en fait, c'est lui, même si je touche son coude, ça me met un coup. La hitbox fait un quart de l'écran, même c'est exactement ça. C'est terrible. Et pourtant, Dieu sait que je suis un joueur tolérant. Enfin, vous voyez, là, je joue quand même à Fatal Frame. Je me suis tapé les trois. La maniabilité est pas top. Mais elle est juste. Là, on rentre dans l'injuste. Mais voilà, il y a des belles cinématiques. C'est intriguant. Voilà. On a envie de savoir. Puis la gémifère qui fait pas de saut, ça serait bien utile, ça, oui. Si elle pouvait sautiller, ça me ferait bien plaisir. Allez. Pour se motiver, un petit coup du chien. Bah non, je la passe. Hein. Voilà. Alors. Putain, mais. N'importe quoi. En fait, le chien nous aide deux fois, c'est tout. J'arrive même pas à le toucher, regardez ça. Attendez, ça se trouve, je l'ai bloqué là. Ah si, mais là, je comprends pas. Des fois, il l'attaque, des fois, il l'attaque pas. Ma baramine qui passe à travers et lui qui me touche de dos. Tout ce que... C'est le cocktail que j'adore. Oula, 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 oula. Non, mais la baramine, c'est pire. Hein. Elle tient trop à sa choucroute, la mémé. Non, puis la caméra qui est pas là, qui ne suit pas, c'est... Allez, allez, allez. Ah, parce qu'il a mal à la patte. Attendez, normalement, je pense que c'est là où il faut que je lui file un os. Il a... En fait, voilà, le chien m'aiderait si j'avais d'autres os à lui donner. Non, mais voilà, non. La baramine, c'est pareil. C'est exactement pareil en moins bien. Ça me donne pas plus de portée. Peut-être un petit peu. Là, je me casse. Peut-être un peu plus de portée, mais il me touche quand même. Donc, ça revient au même. Ah, mon Dieu. Non, le chien est mal en point. Ah mon Dieu. Et une fois qu'on s'est lancé à appuyer sur les boutons, elle ne veut plus changer de direction. Ah putain, oui. J'ai beau... là, je vous assure que j'essaie de faire bien. C'est complètement... Elle met 1000 ans à se relever. Voilà. Et même là, regardez, il... C'est moi qui vais me faire avoir par derrière. Ah voilà. C'est complètement injuste. Je change d'arme. Hein. C'est le couteau est mieux. Hein. Je sens que c'est typique Lemmy où il faut attendre un bug random qui le bug dans certaines positions. Oui, oui, mais... Non, mais le couteau est plus puissant déjà. Arrogante. Vous voyez, déjà là je le touche alors que je le touche pas normalement. Non mais on va essayer de feinter le jeu quoi. Ah oh, putain, Brown, si tu pouvais faire quelque chose, ça serait... À la limite, même quand il plonge, ça sert à rien parce qu'on pense qu'on pourrait l'avoir au sol, mais que dalle. Mais regardez là, qu'est-ce qui m'a touché? Que dalle. Et là il m'a tué. Ah mon Dieu. Remarquable. Ça vous plaît? Oh. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ah mon Dieu, bravo. Ah d'accord. Ah c'est infernal. Il est tout bugué, Jennifer est mégalante, et lui, il a une fat rapide et balance des armes laser. Allez, va te faire enculer, Hoffman. Je réessaye une fois.
Ça manque de flingue. Je réessaye une fois. Je réessaye une fois. Parce que maintenant, je commence à le connaître. Ah, tu t'en vas? Tu veux pas aller... tu veux pas un dernier frisson? Un dernier frisson? J'ai mes dents à laver. Tu verras pas la mort d'Hoffman. Je la couperai au montage. Pour pas que tu la... Non, non, je tente une fois. Allez, allez, allez. Soyons sérieux. Je sais que c'est là. Moi, je retente une fois. C'est trop tentant. Tu ne verras pas non plus la mort d'Hoffman. Parce que tu penses que je vais pas le tuer. Moi, je vais le tuer quand même. Je vais y arriver. Ce qui est chiant, c'est de devoir se retaper à chaque fois tout ça. Alors, on serait quasiment tenté de faire une sauvegarde à chaque fois que le lapin se s'enfuit. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que là, c'est des grands moments. Hein. Mais n'oubliez pas de mettre la cloche. Hein. Important. Non, 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 non. Déjà que ça va être difficile contre le boss, alors si on pouvait éviter de perdre un tout petit peu de vie. Non, mais il dit ça, mais il est encore devant son écran. Il peut pas se passer de moi. C'est fini. Tu te rends compte? Déjà que quand qu'il rêve de la musique du jeu, tu te rends compte? Quand je joue à un jeu, il en rêve. Il attend 21h, il est fébrile. Quand il y a le décompte, il fait quelques petites gouttes dans sa culotte, quoi. Ah bah voilà! Ah bah bravo! Voilà, je dis du bien de Nick Taras et voilà ce qui m'arrive. Vous voyez, normalement, on devrait pouvoir le feinter. Là, je l'ai dans une boucle. C'est la boucle dont tu parlais, Léa. Elle est là. On peut le feinter à fond. Ah putain, ça nous a servi quand même un petit peu. Vite, 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 pendant qu'il lui mord le mollet. Ah putain, ça marche pas. Le bug a fonctionné, mais pas... Vite, vite, vite encore là. Allez, 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 relève-toi, putain. Oh mon dieu, il me viole encore. J'ai envie de prendre la tarte maintenant, hein. Je suis comment au niveau vie? Il me remet encore un coup et puis je la prends. Ah non, je peux pas, là, je me traîne la patte, je me traîne tout là. Je prends la tarte, hein. Oui. Il aurait fallu que j'aie des os. Allez, viens avec moi, Hoffman, on va aller se battre au grand air. Normalement, là, je devrais pouvoir l'avoir. Ah, mais vous voyez, c'est dégueulasse. Franchement, là, c'est... Ah putain, et j'essaye vraiment de partir au bon moment, enfin vous voyez, hein. C'est trop random, l'appareil, voilà, je me prends le coup alors qu'il est inévitable ce coup. Il me le met au moment où je me barre. Oh là 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 là. Ça va être genre, je vais vous donner rendez-vous demain et puis je serai full vie avec 50 biscuits. Ça se trouve, il manque pas grand chose. Hein. Je l'ai eu? Non, je suis mort. Bon, allez. C'est moi qui l'ai fait. Hein. Remarquable. Ça vous plaît? Oh. C'est moi qui l'ai fait. Bon, si je suis motivé demain. Non, non, mais si je suis motivé demain, je reviens avec 50 biscuits, des os pour le chien, que j'aurais préparé en amont, et on le tue. Si je suis motivé, et sinon, on fait un bon jeu, voilà. Je retiens le Tommy, hein, je crois, qui était venu nous dire que c'était un chef-d'œuvre. Alors, certainement, c'est un chef-d'œuvre au niveau de la narration et tout, mais alors, au niveau du gameplay, c'est pas possible. Là, c'est vraiment pas possible. C'est trop random, c'est trop injuste.
Il y a même pas à prendre ou c'est complètement du random. Il faut que je sois full vie pour pouvoir le battre en fait. C'est trop aléatoire. J'imagine qu'il y a des gens qui savent le gérer, mais là, hein. On aura bientôt ta peau, Hoffman, évidemment. Non, là c'est trop. C'est un petit peu trop aléatoire pour moi. Bah, ce que je vais faire, c'est hors ligne pour demain. Je prépare des os. Je prépare du biscuit. Et puis comme ça, on est sûr de l'avoir. Parce qu'on aura, on va se remettre de la vie à chaque fois, quoi. Ça se trouve, il manque que quelques coups. Hein. Mais ça se trouve, non. Vous avez vu combien de coups il faut mettre, parfois, certains ennemis. Enfin bref, ça me fait très plaisir que vous soyez passé. Hein. Je vais mettre du biscuit de côté, je pense. Ou alors il y aura la surprise d'un autre jeu. Voilà. Tout va dépendre de ce que j'ai mangé à midi et de la température. Je vous embrasse. Hein. Déjà, vous n'aurez pas de violon, mais vous aurez quand même un petit peu de piano. Allez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain si vous êtes là. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. À demain et prenez soin de vous.